Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans série Côté Bois montre comment pour faire un blog avec Python et puis Django. Ça, c'est la deuxième vidéo dans la série. Et puis, nous avons avec nous la Michelle qui va nous montrer comment processer. Qui premier bail nous va le faire là, Michelle? Bon, pour le premier bail, nous allons le faire pour nous faire blog là. Nous allons installer Python. Nous allons installer la dernière version Python. Là. Bon, pour nous faire ça, nous allons aller en pile, nous allons aller dans Google. Ensuite, nous allons taper Download Python. Bon, nous allons installer la dernière version. Bon, là, yo ben nous. Bon, après, on a juste entré dans le link ça. Ensuite, on a juste installé la dernière version. La dernière version, c'est 3.8.2. Ok, on a. L'app installé là. Ok. Agree. Ensuite. Bon, on va faut entrer. Passe auto. Ok, la petite temps. Il a fait une installation. Ok, les fins installées. Qu'on Ok, les fins installées. Donc, nous allons terminer nous connaissons. Nous allons terminer pour nous carrer. Qui version Python nous gagne? Mais nous avons déjà connaissons ces versions 3.8.2. Mais c'est pour nous qu'à vérifier. Ok, nous allons juste aller chercher. Terminal là, ensuite les ouvrir. Bon, qu'on y a là, pour qu'on compte qui version, pour qu'on ouvre shell Python là, ou juste fait Python 3, ensuite ouais, ou ouvre shell là, Et comme si s'il vous je n'avais pas Python là, je vais faire addition avec 5 plus 5. Je vais regarder. Est-ce que ça marche? vous fait 5 plus 5, Au lieu de tout bon. bail, c'est comme si je n'avais pas Python qui est installé Yeah, déjà. ça veut dire Ok. déjà qu'il n'y a pas été installé. Ensuite, sous besoin de qui version qui la donne, ou exit avant, ou sortir avant, ensuite, ou taper Python 3, ensuite, ou marquer version, ensuite, là-bas, qui version. Bon, j'aime bien dire non là, c'est version 3.8.2.